Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir pour tout le monde et tous les amis collaborateurs, toutefois accès à suivre nous tout partout dans le monde lent et non pas c'est merci Dieu. Et moi, je suis content pour nous capables ensemble avec nous. Dans la vidéo, ça, nous allons parler de résidence et en République dominicaine. Nous connaissons, nous gagnons en pile haïtiens qui vivent illégal dans le pays Saint-Domingue. Et venir ensemble avec phénomène insécurité cap taille bandana dans pays d'Haïti, il y a un pile d'amis, un pile famille qui obligé vendre ça que yo gagne dans pays d'Haïti pour capable venir établir dans pays Saint-Domingue. Yo ta aimé joindre résidence, yo ta aimé connait qui ça pour yo faire pour yo capable joindre résidence. Bien dans vidéo ça, moi pour expliquer nous et qui document que n'a besoin pour nous capable commencer ensemble avec processus là. Comment pour nous capables commencer, dans qui bureau pour nous capables jouer un document. Mais c'est ça que nous allons parler et dans la vidéo ça, prends tichesse bao et chita pour capable et suivre avec attention. Nous allons aller là et pour nous capables permettre nous toutes nous capables comprendre qui ça que nous avons besoin et pour nous capables jouer une résidence. Pas oublier une série de conditions ou supposé remplir. Ce n'est pas parce que vous allez appliquer pour penser que vous allez venir. Non, vous avez des conditions ou supposées remplies pour capable jouer une résidence là. Ou capable appliquer, ou capable faire des demandes là. Ou connaît, il faut une chance pour vous capable baoul. Tout ça. Vous comprenez? Eh bien, nous allons commencer. Et conditions, et qui ça que vous avez besoin pour capable jouer une résidence. Premier ça que vous avez besoin pour capable jouer une résidence ou dans le pays Saint-Domingue, vous avez besoin de un passeport. Ça, c'est le primordial. Le premier sac qu'on doit gagner dans le pour vous avez besoin d'un passeport. Et passeport, ça, c'est supposé gagner minimum 18 mois. Passeport, ça doit gagner minimum 18 mois là-dedans. Ça, c'est d'après règlement et application que la loi dans le pays Saint-Domingue baille. Ça, il trouve dans l'article 631-11 dans la loi immigration dans le pays Saint-Domingue. Qui fait qu'on est ou doit gagner un passeport et passeport doit gagner comme minimum 6 mois la donne pour capable appliquer pour gagner résidence. Là que ou même ou fin gagner passeport ou passeport gagner minimum et 6 mois, qui ça que vous avez besoin encore? Vous avez besoin d'un visa résidence. Eh bien, si que vous avez besoin d'un visa résidence ça, comment que ou même ou pas faire jouer visa résidence là? Nous pourquoi? Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas avoir un lien avec l'immigration. Vous comprenez? Seulement l'immigration, d'après la loi immigration, pour l'immigration capable d'avoir 4 résidences, il dit qu'il faut un passeport gagné pour pipiti 18 mois là-dedans. Ok, qu'on y a un passeport gagné et 18 mois ou bien gagné 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, bah, qu'on est qui type de passeport qu'on gagne, il y a un an par là-dedans, un an et demi pour pipiti 18 mois. Eh bien, l'immigration dit qu'on a besoin, la loi dans le pays dit qu'on a besoin d'un visa résidence. Qu'on a posé tête aux questions, qui côté ou pas jouer un visa résidence là? Premier ça qu'on doit mettre dans tête tout, ce n'est pas pendant ou en République dominicaine pour capable, d'après la loi dans le pays ce domaine, pour commencer avec le processus là. Processus là commencé depuis le commun ou Haïti. Moi dit Haïti, c'est parce que c'est moi en affaire ensemble avec Haïtien. Mais si tu es cubain ou tu es vénézuélien, et que pour citoyen courrier ou supposé commencer dans le pays. Parce que visa résidence là, c'est un consul, par exemple, nous connaissons en Haïti, il y a un consul à Wanamet, il y a un cap haïtien, il y a un Pétionville, il y a un Belade, et qu'on y a ou même. Ou parler dans un consulat ça qui pré ou là en Haïti, c'est là qu'on même ou pas faire demande visa résidence là. Visa résidence là, on parle baoul pour 3 mois seulement, on pas baoul pour plus. Et visa résidence pour 3 mois, c'est RS visa résidence là. Et bien là que ou même ou pas faire demande visa, l'on mette visa. C'est vous-même qui pour dire mais qui type de visa qu'on gagne. Il y a toute qualité type de visa. Il y a un visa touriste, par exemple, là, mettez visa, c'est visa touriste là, multiple là, c'est lui qui vous mettez pour nous. Mais si vous-même c'est travail qu'on va venir travailler dans le pays Saint-Domingue, vous pouvez aller demander un visa de travail, bien visa de travail. Si résident, vous voulez venir résider dans le pays Saint-Domingue, vous pouvez demander un visa de pour capable résider.
gagner un paquet type de visa. Par exemple, gagner monde par exemple qui fin travail dans pays d'Haïti ou bien dans pays côté yo, yo veulent vinn faire restant yo. Yo ce sont des jubilés. Monde ça a besoin jubilé dans pays c'est domaine qui ça le fait, li mande yon visa pour capable vinn jubilé. Gagner tout type de visa. Et bien ou même qui veulent joindre un visa résidence, et bien ou pral faire demande yon visa résidence dans yon nan consulat yo qui dans pays d'Haïti, dans visa Saint-Domingue qui trouvé en Haïti, soit ça qui wana met ou cap haïtien Pétionville, gagner Belade, nan n'importe. Ou alors faire demande là. Après ça qui ça va besoin? Lorsqu'on a une visa résidence, ou a besoin acte de naissance. Acte de naissance, ou supposé, ou comme c'est ça, ou supposé traduit, ou traduit et légalisé en espagnol acte de naissance. Ou a besoin 4 photos. 4 photos, 4 bouts de photos qu'on fait que ou a besoin. 4 bouts de photos et 2 de profil, 2 apps de profil, 2 devant. Qui ça va besoin? Besoin de certificat de non antécédent pénal. Certificat de non antécédent pénal. Dans le pays où tu es sorti. Si c'est Haïti qui est sorti, eh bien, il est supposé faire Haïti. Vous venez ensemble avec certificat bonne vie et bien sûr qui sorti Haïti. Si vous même c'est Chili ou sorti, ou du moins, vous venez ensemble avec dans le pays où tu as, dans le dernier pays où tu as vivre là, pour les dernières 5 années. Yo. Par exemple, nous connaissons gagné un peu les amis qui vivent au Brésil, Mexique, Chili, et vous voulez venir résider, eh bien, dans le pays, ça, quand on tape vivre là, vous supposez venir ensemble avec un certificat et de bonne vie et mœurs, certificat de non antécédent pénal, et pour 5 dernières années qu'on tape vivre, ou du moins quantité de temps qu'on tape vivre dans le pays, ça. Qu'est-ce qu'on a besoin encore? Si ou même c'est un monsieur ou du moins si un madame mariée qui a besoin, et nous avons ensemble avec un certificat de mariage, contrat de mariage qu'on gagne, hein, nous avons ensemble avec lui. Mais si ou même c'est un célibataire qui a même ouillé ou pour qu'on gagne madame, et bien, nous avons ensemble avec une déclaration de célibataire. Mais si ou même c'est un plaçage que ou même wap vive, et bien ou supposé venir ensemble avec un preuve qu'on même ou gagne un monde qui wap vive ensemble avec lui. Et tout ça, yo, yo si posé et traduit en espagnol, yo si posé légalisé. Tout ça, yo, tout document ça. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une assurance. On a police de garantie de contrat qui c'est direction générale immigration qui autorise et type de compagnie ça. Ça que les assurances médicales là pour même ou assurance médicale ça qu'on a besoin. Eh bien c'est une compagnie côté c'est direction générale immigration qui autorise. Par exemple, ou capable prendre et ma boy un exemple et Seguro Reserva. Banque Reserva qu'on est ligué by service de seguro et bien on parle dans banque réserve il y a un exemple qui est toujours et bien on capable aller là et pour capable joindre et assurance ça ou a besoin d'un examen médical qui examen médical ça qu'on parle besoin et bien c'est dans une institution qui autorisée par direction générale immigration qu'on parle besoin et bagay ça gè des fois examen médical là c'est même immigration même qui fait yo fait en dedans même donc tout document ça yo ça c'est là qu'on même sorti en Haïti et nan passeport a déjà gagné visa de résidence ou et puis ou même al déposer tout document ça yo que me dit là nan immigration ou capable rentrer directement dans portal là pour bagay yo capable plus facile pour ou obligé prendre un avocat immigration pour le capable faire processus là pour vous hein les comme même documents sont même qui pas chercher documents ou visa sont même qui pas le bagarre et bien ou même ça soit besoin ou capable besoin un avocat qui pour faire toute démarche ou remettre avocat document ça yo et puis avocat lui-même l'a fait suivi pour lui pour le déposer tout ça qui vient pour ça avec immigration c'est avocat ça lui-même qui pour gagner toute bagarre pour ensemble avec immigration seulement on va pas payer le cobli pour le capable et faire et ça pour n'a résumé pour vous. Ou a besoin d'un passeport parce qu'on a gagné minimum 18 mois la donne, un visa résidence qu'on peut faire demander à un consulat dominicain en Haïti, acte de naissance ou a traduit et légalisé, ou a besoin 4 bouts de photo, des faces, des profils, ou a besoin de certificat de non antécédent pénal, ou a besoin acte mariage si ou même ou c'est un monde marié, si ou même ou a vivre seul, ou a besoin
une déclaration que vous vivez seul pour célibataire. Si vous vivez dans le placage, vous venez avec une preuve que vous vivez dans le placage. Et puis tout ça aussi pour se traduire et légaliser. Vous avez besoin d'une police de garantie des contrats. Et ça, c'est assurance médicale, que c'est la direction générale immigration qui peut autoriser. Yon et entité, mte ban nou yon exemple comme banque réserve, et puis n'a besoin yon examen médical, et le plus souvent c'est dans même immigration qu'on pral faire et type de document ça. C'est yon réel, c'est yon immense et réel plaisir pour mte capable ensemble avec nous, et moi espère que nous tous nous comprenons. N'a pas rencontré dans l'autre occasion pour nous capable informer un type de vidéo comme ça.